Bon, je pense qu'on peut passer sur le live. Attendez, je regarde un petit peu. Non, ça a l'air d'être bon. Bon, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde, mais bonjour à tous. Je mets un peu de musique, voilà. On sera plutôt bien. Voilà. Hop, bienvenue à tous. C'est la reprise des streams. Après, je crois, 3 semaines de pause. Il me semble que c'est ça. Je vais vérifier quand même. Voilà. On est très professionnel, on fait ça. Voilà. Pratiquement un mois de pause, en effet, bah ça c'est parce que ça c'est les aléas de la situation qu'on vit actuellement, hein. Ça j'y peux rien, hein. T'es un peu bloqué quelque part, tu peux pas trop bouger, donc c'est pas trop tes endroits habituels pour streamer, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous ça va. Ceux qui sont sur le live, même si j'en doute, ou qui regardent cette rediff. Bref. De mon côté, pas grand-chose qui a changé. Juste, je suis de retour dans le décor. Voilà, tout simplement. Déjà, c'est une bonne chose, hein, voilà. Parce que au moins là, je suis à peu près sûr de pas être dérangé personne pendant un stream. Donc, voilà. C'est déjà un bon point, on va dire. Ok, donc vous le voyez, j'ai mon Apple Pencil là. J'ai fait quelques petites créations artistiques, mais vous avez certainement dû les voir passer sur les réseaux, parce que c'est aussi un peu comme ça que j'occupe mon temps, hein. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Depuis le 25 avril, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pas grand-chose. Hein, pour l'ascension, j'ai fait une randonnée. Voilà, ça m'arrive jamais. Mais voilà, j'étais avec des gens. J'ai fait une randonnée de 3 heures qui m'a bien crevé. Et puis sinon, pas grand-chose non plus. Vous savez quoi, on va y aller tout de suite, hein. Voilà, est-ce que ça rend plutôt bien? Oui, on va dire que c'est pas mal. C'est plus facile avec du papier pour ça, je vous l'avoue. 1-1-1, 25 avril. Ouais. On en est rendu ici. Ok. Ok. Il y a quelques petites pépites, on va dire. Hop. Attendez, je vais juste. Voilà. Si, non, je pense pas. Oh là là. Ok.
Bon, ça, c'est comme ça devrait le faire, c'est pas trop mal. Très bien, je sais pas s'il y a un peu plus de monde là. Pas vraiment, mais bon. Je peux vous montrer, hein. Hop! Alors, toutes mes petites photos. Si vous avez vu passer. Oula, je suis un peu flou. Ah, c'est le truc de, que c'est la webcam automatique. Ah, bon, c'est pas très grave. Si vous arrivez un peu à voir. Oui, là c'est bien net, ouais. Voilà. En plus, vous avez le reflet de mon écran, quoi. Le reflet infini. Donc voilà, nous avons la princesse Sabri, hein, qui est une très bonne amie de Magla, qui se fait un tatouage. Elle stream pas très régulièrement, mais elle stream quand même. Je vais quand même vous mettre son Twitch dans le chat. Voilà. Donc, je peux même vous mettre le lien de. Je peux même essayer de vous mettre le lien de la publication. Je vais même vous mettre le lien de la publication qui m'a servi de modèle. Enfin, en tout cas, essayez. Parce que c'est pas. Hop! C'est pas le plus pratique que j'ai là. Enfin, que j'ai choisi là. 1, 1, 1. Je vous mets son fil Insta. Hop. Ici. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ok. Donc, je reprends la main ici. Je vous remontre. Vous irez voir si vous voulez. Enfin, sur la rediff YouTube, ça risque d'être un peu compliqué, mais je peux vous la mettre en description. Ah, un dont je suis assez fier, mais vous avez sûrement dû le voir vu que j'utilise en photo de profil. Pas mal, hein? C'est Barbara de Pokémon Soleil et Lune avec un croquis. Moi, je le trouve vraiment réussi. Et alors, attendez. Je vais vous mettre quand même en lien une petite image, quoi. Hop. Alors. Voilà, bon, avec ce lien, hop, devriez avoir une petite idée de à quoi ressemble le personnage d'origine. Et donc, voilà. Après, avec plusieurs fanarts trouvés sur Internet, je suis arrivé à ce résultat qui est, je trouve, très satisfaisant. Et alors celui-là, il a été fait en une journée. Hein, voilà. Et j'en suis assez content. C'est très drôle. Mais faut comprendre, quoi. En fait, c'est le youtubeur que j'aime beaucoup, qui est Fildrong. Hop, dont je vous mets le lien vers la chaîne. Attendez, hop, voilà. Mince. Voilà. Un petit peu galère. Hop. Ça vous fait beaucoup de liens à explorer. Voilà. Donc,
En fait, il fait un let's play sur Pokémon Steam, qui est un fan game Pokémon, dans lequel il y a un Pokémon créé qui est un supposé légendaire. Bonjour MH953, je ne sais pas qui est Tariq. Je disais, donc Fildrong fait un let's play sur Pokémon Steam, qui est un jeu sur lequel il y a un Pokémon supposé légendaire, très puissant, où Arceus, le dieu Pokémon, avait du mal à lutter. Et donc il s'est retrouvé face à ce légendaire. Et il l'a vaincu avec le Dinoclier que vous voyez là, nommé Frisbite. Voilà. À coup de toxique et de soin, ce Pokémon de base a vaincu ce gros légendaire à la force incommensurable. Et donc c'était une incroyable humiliation de jeu. Et c'était très drôle à voir. Donc j'ai voulu immortaliser ça. Voilà en gros ce que j'ai pu créer ces derniers temps. Et pour te répondre, MH953, moi ça va bien, tout simplement. Voilà. Je reprends le stream après une longue période d'arrêt. D'ailleurs, je vais vérifier quelque chose. Hop, voilà. Une longue période d'arrêt. D'ailleurs, je vais vérifier quelque chose. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon au niveau son, c'est bon. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pendant le mois qui vient de s'écouler en fait, tout simplement. Et ça me fait plaisir de revenir et d'être de retour ici. Tout simplement parce que là au moins c'est mon chez moi pour streamer tranquille. Ah ouais, il y aurait peut-être un petit quelque chose. Hop, c'est ici. Ceci. Cette affiche en tissu, je crois, hein, du film Insaisissable, ce film sur des magiciens qui commettent un petit peu des larcins, qui m'a été dédicacé par une partie des comédiens de doublage du film. Donc, nous avons ici Dorothée Pousséo, la voix de Didi dans le laboratoire de Dexter, de Margot Robbie, enfin de Harley Quinn, qui double le personnage, enfin le personnage féminin du quatuor magicien. Nous avons là Donald Renew, célèbre voix de Reese dans Malcolm, de Titeuf, de Spider-Man dans les derniers jeux, qui double ce personnage qui est joué par Jesse Eisenberg. Voilà. Et tout en bas, ah oui, tout en bas, nous avons Benoît Alman qui est signé et qui est la voix de Morgan Freeman, tout simplement. Ça c'est un petit cadeau de la part de Donald Renew qui réalise des streams avec des gens de la profession de doublage. La mission Stream VF et à chaque petit, enfin à chaque don, bon, plutôt conséquent. Il envoie des cadeaux de ce type, voilà, et signé par ses collègues et par lui-même. Et c'est très agréable, c'est une petite valeur ajoutée des streams. Et je trouve ça très cool. Voilà. Hop. Donc. Que dire de plus? Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
petite chose en plus à dire, c'est que les cinémas ont rouvert, hein, récemment. Et du coup, bah moi, j'y suis allé, moi, au cinéma. Et puis, c'est le genre d'industrie qui me tient à cœur de soutenir. Voilà. Là, c'était le moment où il fallait consommer pour aider les commerçants dans le besoin. Ça, je suis à 100% pour. Et notamment l'industrie cinématographique qui a beaucoup souffert de la situation actuelle. Mais du coup, ben, moi, je suis. Pas sûr que ça le fasse comme ça. Ouais. Attendez, je vérifie un petit truc. Ouais, si. Ça peut le faire. Ok. Moi, je voulais soutenir un peu le cinéma, notamment le cinéma français et le cinéma d'animation français, parce que franchement, le cinéma français, c'est au niveau de l'animation, on est très très doué. Et moi, bah du coup, j'avais vu le film Petit Vampire, j'ai vu qu'il était à l'affiche. Donc moi, naïvement, je me suis dit, bah tiens, film d'animation français, je vais essayer. J'aurais pas vraiment dû. Vraiment. Ouais, j'ai même mis une note, hein, vous voyez. Je sais pas, je trouve le chara-design juste affreux, il est beaucoup trop simpliste. J'ai trouvé que je me dis, mais moi je dessine mieux que ça. Après, les décors sont très travaillés. Ça, j'avoue, niveau animation, les décors sont très beaux. Les personnages sont juste affreux. Enfin, je trouve pas l'histoire très recherchée, ça va trop vite. Et puis, t'as l'impression que l'image elle est tout en plate et il n'y a aucune notion de profondeur, même si c'est de l'animation 2D. Au moins, vous voyez Disney. Avec le bossu de Notre-Dame par exemple, ben ils font des jeux de lumière, ils essayent d'incorporer de la 3D, enfin ce truc il pourrait être sorti dans les années 80 et encore. Moi je veux soutenir l'animation française, mais quand on nous sort ça, pourquoi faire, j'ai envie de dire. Non, vraiment pas très très fan. Bon, je suis sûr qu'il y aura d'autres films d'animation français qui sortiront, qui seront bien meilleurs. Mais ça, c'était pour relancer les salles, quoi, on va dire. C'était pour que l'activité des salles puisse reprendre bien comme il faut. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, tout simplement. Bref. Et ben avec tout ça, je crois que j'ai bien fait le tour, hein. Attendez. Je vais setup un peu tout ça. Ok. Ça. Je pense que on pourra partir. Hop. Sur. Hop. Voilà. Je pense qu'après ça, on va assez vite partir sur le let's play de Pokémon Emerald Plus qui me manque vachement. Alors, comme j'avais dit, j'ai XP hors live. Pas beaucoup. Parce que bon, c'est assez répétitif. Et puis bon, j'ai pas des attaques encore très puissantes. Mais j'ai fait de l'XP. Donc on va bien voir ce que ça donne. Hein, tranquille. Et puis voilà. Donc, je voulais continuer tout simplement ce petit let's play qui me tient à cœur quand même de terminer, parce que c'est mon premier, donc j'ai bien envie d'aller au bout et je pense avoir potentiellement trouvé le successeur du let's play. Alors le problème c'est qu'il y en a plusieurs, donc
peut-être que je vais streamer plus régulièrement maintenant, et on pourra bien voir où ça va nous mener, ce bon petit let's play. Donc, plusieurs choses. Déjà, hop, on va changer un peu les infos de stream. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Hop.